Michael Mittelstadt est un visage que les fans de la série Ici tout commence n'ont jamais oublié. En novembre 2020, ce dernier a intégré l'Institut Auguste Armand afin d'interpréter le rôle de Greg de Lobel. Pendant 2 ans, l'acteur a été au cœur d'intrigues particulièrement bouleversantes et durant lesquelles il a pu partager l'affiche avec Joseph Malherba, son père de fiction. Un livre consacré à la série a été dévoilé il y a quelques semaines et, pour cette occasion spéciale, Michael Mittelstadt a fait quelques confidences. Ma relation avec Joseph Malherba, qui joue mon père, m'a particulièrement marqué, a-t-il débuté avant de poursuivre, le lien qui unit un père et son fils, si est-il toujours quelque chose de très fort et qui parle à tout le monde. Si certaines séquences sont parfois difficiles à tourner, il y en a une qui a bouleversé l'acteur. Je me souviens d'une qui est vraiment venue titiller quelque chose de fort en moi et qui m'a raccroché à ma vraie vie, a-t-il poursuivi avant d'indiquer, j'étais ému aux larmes alors que je ne connaissais ce mec que depuis 3 jours. Si est-il très perturbant. Si Michael Mittelstadt n'a pas donné de précision concernant la séquence en question, nul doute que celle-ci a également perturbé les téléspectateurs. Lors de son arrivée dans la série, Michael Mittelstadt a connu quelques difficultés puisque le personnage de Greg de Lobel n'était pas apprécié. J'ai eu le droit à des messages de haine et une déferlante d'insultes sur les réseaux sociaux, a confié l'acteur avant d'ajouter, mais c'était jouissif. En effet, son personnage pouvait parfois être très cash, notamment avec Elliot Prévost. Très à l'aise avec sa sexualité, ce n'était pas le cas de Greg de Lobel qui n'a pas hésité à se moquer de lui ouvertement. Laissant place à une scène devenue mythique. Le fait qu'il me montre ses fesses au bout de 3 jours nous a rapprochés, s'est amusé Michael Mittelstadt en évoquant son amitié avec Nicolas Anselmo. Toutefois, le regard des téléspectateurs concernant Greg de Lobel a beaucoup changé lorsque les deux personnages ont commencé à se rapprocher. Ils se sont ensuite mis ensemble et, malgré de nombreuses complications durant leur relation, tous deux se sont fiancés le jour du départ de Greg de Lobel. Un mariage qui est très attendu par les fans du couple, mais verra-t-il le jour? À en croire les publications de Zoé Savarin, l'interprète de Jasmine, les deux acteurs ont fait leur grand retour derrière les caméras d'Ici tout commence. Mais pour combien de temps? Michael Mittelstadt, quel souvenir garde-t-il de ses 3 ans passés dans la série? En décembre 2022, Michael Mittelstadt a fait ses adieux à la série Ici tout commence. Un départ qui a bouleversé les téléspectateurs puisque le personnage était très apprécié. S'il n'a pas fermé la porte à l'idée de revenir, son interprète garde un très bon souvenir de ses 3 années. Quand je tournais l'intrigue du secret des de Lobel, je fondais en larmes dans les vestiaires et Elliot me prenait dans ses bras pour me réconforter, a-t-il débuté. Une séquence qui l'a particulièrement bouleversé. À la fin de celle-ci, le réalisateur Christophe Barrault m'a regardé et a simplement levé son pouce en l'air, s'est-il souvenu avant d'ajouter, j'ai repensé à toutes ces nuits douloureuses où je doutais au sujet de mon avenir dans le métier. Ce jour-là, je me suis réconcilié avec mon destin. Une séquence mémorable pour Michael Mittelstadt mais aussi les fans du programme, qui espèrent le retrouver rapidement. The man I love just has